Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment se retrouver à leur ville. Donc, on aura plusieurs séries de vidéos dans ce style. Je vous montrerai un peu comment se débrouiller dans chaque ville. Là, je vais vous montrer leur ville pour cette vidéo. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai une autre ville, ou même une station, comme vous le souhaitez. Donc, quand on arrive à leur ville, on spawn dans ces cabanons, hein, dans ces petites cabanes. Donc tout ça, c'est des chambres. Bah voilà, là, c'était la mienne que je viens d'ouvrir. Donc on spawn ici, donc que ce soit à l'étage ou en dessous. Hein. Donc comme vous voyez, là-bas, il y en a une dessous, même côté. Enfin voilà, vous avez des chambres dans lesquelles vous spawnez. Donc quand vous êtes en haut, ça va parce que vous avez juste à prendre l'ascenseur qui est là. Quand vous êtes en bas, vous prenez ces escaliers. Voilà. Pour venir justement à l'ascenseur. Donc l'ascenseur, qui est très important parce que lui, il va vous emmener dans le centre-ville de leur ville, qui après vous emmènera, on va dire entre guillemets, dans tout ce qu'il vous faut, donc dans l'admin, les magasins, les trucs dans le genre. Donc à savoir que pour se retrouver dans un dédale comme leur ville déjà, il faut y arriver. Le pire pour moi, c'est Area 18, vraiment. Je baisse un petit peu le son. Hop. Donc dès que vous spawnez là, voilà, vous voyez, vous avez les ascenseurs. Donc vous allez venir ici. Donc alors parfois ici, est-ce que ça va nous faire... Ah, ça nous l'a fait un petit peu. Mais en gros, vous avez un petit coup de vent, ou même parfois vous n'arrivez pas à courir. C'est normal, parfois il y a des bugs de synchro quand il y a une tempête. En fait, on est considéré comme étant dans une tempête. Regardez la preuve pour le PNJ, ce qui vient de lui arriver. Donc... vous prenez ces escaliers, vous venez ici, donc là, c'est on va dire le point névralgique, d'accord? Parce que là, vous pouvez aller au Metro Center, là, c'est là d'où on vient, du coup, si vous descendez, ici, vous avez, là, juste à droite, hein, dès que vous descendez, à droite, vous avez l'admin office, d'accord? Donc, non, vous pouvez même passer par là, il me semble. Mais voilà, vous pouvez même passer par là où je vous dis. Et là, du coup, elle se trouve. Ça se trouve ici. Donc voilà. L'admin office. Voilà. Donc pour aller à l'admin office, c'est pas très compliqué. Hein. Du coup, il me semble que quand on passe ici, c'est pour aller dans. Donc en allant à l'admin office, vous pouvez aussi rejoindre tout ce qui est pour achat de combi, les trucs dans le genre. Donc, ici, nous arrivons déjà, pour commencer, au bar. C'est bar, ça, oui. Donc là, comme je vous l'avais expliqué avec Séraphim, vous rentrez et voilà, bah, le bar, il était juste là. Donc, forcément, vous avez deux entrées. Hein. Voilà. Donc, c'est pas très compliqué. Alors, en allant ici. Donc là... c'est en gros la réclamation disparaît, enfin je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais en gros on va l'appeler comme il a écrit, hein, une réclamation disposal. Donc il me semble que c'est pour envoyer des colis ou les trucs de Diverou. Donc voilà, mais je vous montre quand même parce que ça reste important. Donc là, réclamation disposal. Donc du coup on va aller l'autre côté, à l'autre bout là-bas. Donc je vais assez vite pour pas que la vidéo dure très très longtemps non plus, parce que c'est quand même assez assez grand tout ce qu'il y a, hein, dans leur ville. Donc vaut mieux y aller. Donc là vous voyez, comme c'est noté, c'est l'hôpital. Donc quand vous sortirez de l'hôpital, ou même pour aller vous faire soigner ou acheter des trucs médicaux, c'est ici que vous allez arriver. Voilà, ça vous rappelle quelque chose. Donc là, à droite, il y a les écrans. Et là, en fait, c'est quand on sort les élévateurs. C'est là où on sort de l'hôpital. Là, il y a le... pour acheter les médicaments aussi. Donc là, le Metro Center, apparemment, il y a une exit par là. Donc, on va la prendre ensemble. Donc en gros... là, ça vous emmène... regardez, je vais revenir un peu en arrière. Quand on est arrivé tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'on était au point névralgique, on était juste là.
D'accord, donc là en plus j'ai bien fait de revenir en arrière. Mais on était juste là. Mais là, faut pas oublier qu'il y a normalement à leur ville un magasin pour acheter tout ce qui est armure et tout ce qui va avec. Donc, bon, le bar est là. Donc, faut que je me rappelle de où ça se trouve parce que c'est là où ça devient assez complexe. Donc, voilà. Donc là, quand vous vous trouvez là pour aller au bar, c'est vous venez ici. Donc vous continuez tout droit. Donc là, vous avez l'accès encore au bar, hein, juste ici. Et là, vous avez l'accès à donc achat de vêtements, d'armure et tout ce qui va avec. Voilà. Donc les armures ici, les vêtements, boissons. Vous avez les panneaux de contrôle ici. Voilà. Donc il me semble que quand on descend, il n'y a pas grand chose. Ça fait faire un tour. Là, on va remonter par ici. Et là, je vais aller vous montrer la ligne de métro, il me semble. Qui fait le tour. De toute façon, il y a trois stations à leur ville. Tac. Alors, il me semble que... il y avait quelque chose dans cette zone en particulier. Tac, tac, tac. Donc là, on va aller au business district, d'accord? Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, de toute façon, c'est commerce line. Mais on va aller là où on vend toutes les tout ce qui est minerai, tout le tralala. Donc c'est la suite, on va dire, de la visite de leur ville. Bon, bien entendu, c'est pas, on peut pas redonner la visite d'une ville, hein, forcément, c'est parce que c'est beaucoup trop grand. Premièrement. Deuxièmement, c'est que ça fait un peu brouillon dans comment c'est ordonné leur ville. Enfin, toutes les villes d'ailleurs sont à peu près brouillon. Il y a sauf New Babbage qui est à peu près convenable et Horizon. Et encore, vous allez voir Horizon, c'est l'une des pires. Avec Area 18. Là, c'est une ville assez bien ordonnée, mais quand même brouillon. Vous savez, il y a plein de petits dédales partout. Si on connaît pas, on est foutu. Là, à savoir que vous avez vu tout ce qui était principal dans la ville, vous l'avez vu là direct tout de suite. D'accord? Donc vous avez vu le bar, magasin de vêtements et d'armure. Vous avez vu le centre médical. Enfin voilà, vous avez vu au centre-ville, en tout cas pour le centre-ville, je parle bien. Vous avez vu tout ce qu'il vous fallait. Donc on se retrouve au business district, donc c'est le prochain arrêt. Et nous voici arrivés, donc là, hop. Bon, nous normalement on arrive plus loin, il me semble, on arrive là-bas où il y a le train. Vous voyez là-bas, quand on vient du centre-ville, enfin du centre du Spaceport, on arrive de l'autre côté. Donc là c'est pas très grave. Donc le district business, c'est le dernier gros truc, on va dire, pour... vous montrer, parce qu'après c'est en direction de Spaceport, et Spaceport c'est très rapide, très simple, il n'y a rien de particulier et il n'y a rien de magique. Voilà. Donc là on arrive au business pour c'est soit pour vendre, soit pour acheter des armes, des trucs dans le genre, enfin des armes de vaisseau et tout ce qui va avec. Donc quand vous arrivez ici, là, c'est les magasins des grosses armes de vaisseau, il me semble. Des armes de vaisseau et tout ce qui va avec. Donc, c'est un magasin pour les matériaux de vaisseau. Et les panneaux de contrôle, ils sont juste ici. Donc, vous voyez, vous avez des armes pour les vaisseaux. C'est ici. Tac. Donc là, on va se revirer de l'autre côté. Là, c'est là où il y a plus de morts, j'ai envie de vous dire. Il va falloir crapahuter un petit moment. Donc là, voilà, transfert. On va aller direction transfert. Donc, à savoir que après il y a un truc plus bas, là. On va aller, bien entendu, faire un tour. Tac. Hop. Donc, ici, vous pouvez venir vendre tout ce qui est minerai que vous... commerce. Si vous suivez mes vidéos de commerce, vous voyez que c'est sur ces panneaux-là, là. Et là-bas... qu'on vend tout ce qui est minerai. Donc là, vous voyez, il y a la bourse, tout ce qui va avec. C'est un peu le Wall Street, de leur ville. Donc là, on va se diriger
vers l'autre côté, que je vous fasse visiter encore l'autre côté. Et là, il me semble en plus que même pas, c'est même pas une visite, là, ça va faire un cul-de-sac. C'est un rond, quoi. Ouais, voilà, oui. Bien ce qui me semblait. Je suis là pour rien. Comme je vous ai dit, de toute façon, enfin, ça a beau faire des mois que... voire des années que je connais Star Citizen et que j'y joue. On a du mal parfois encore à se rappeler. Et ça va être de pire en pire dans les mois qui vont venir, parce qu'ils vont nous sortir tellement de... d'univers que on pourra pas tout se rappeler. Donc j'en profite les amis pendant cette accalmie, abonnez-vous s'il vous plaît les amis, on rush les 1000 abonnés, on y est presque, il y a 268 ou 9 abonnés, il nous manque, donc s'il vous plaît, abonnez-vous, ça vous prend quelques petites secondes pour mon travail que je fournis sur la chaîne YouTube, c'est un remerciement énorme, donc je vous en prie, s'il vous plaît, abonnez-vous. Donc là, on va maintenant attendre le train. Donc on va faire une petite ellipse et on revient tout de suite après. Donc les amis, voilà, le train est arrivé. Voilà, donc bien entendu, je vais chapitrer la vidéo pour que vous sachiez où aller, quand aller. Mais bien entendu, même si je chapitre la vidéo, à savoir que ça pourra vous, enfin vous économiser du temps, mais entre guillemets, vous allez devoir quand même regarder la vidéo pour savoir dans quelle direction j'ai pris avant, quelle direction j'ai pris, parce que forcément, je n'ai pas coupé ces passages-là. Donc écoutez, je fais une ellipse et on se retrouve dès qu'on arrive au station port. Donc les amis, nous voici arrivés. Donc là, comme vous voyez, je viens du business port, enfin business center. C'est la ligne verte, d'accord. Donc quand vous arrivez du centre-ville, c'est la ligne bleue. Hein. Là voilà, vous venez d'ici, c'est la ligne bleue. Là, c'est là. Voilà. Donc dès que vous arrivez là, votre but c'est d'aller chercher votre vaisseau. N'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez payer vos amendes ici. Il y en a pas mal qui sont un peu dans leur ville, c'est ce genre de petits trucs, c'est pour payer vos amendes. Voilà, bah, vous voyez, il y en a encore là même. C'est un truc qu'il y a souvent, ils aiment bien l'argent, on peut me dire. Donc, ici, il y a plusieurs zones importantes. Donc, New Deal. Le New Deal, c'est pas compliqué, le New Deal, c'est là où vous pouvez acheter tous vos vaisseaux. D'accord. Enfin, tous vos vaisseaux qui sont à leur ville, d'accord. Je peux pas vous lister toute la liste qu'il y a à leur ville de vaisseaux. Mais en tout cas, voilà, c'est ici le New Deal. Donc vous avez un panneau de contrôle, c'est celui-là. Voilà. Donc là, vous venez ici pour acheter vos vaisseaux. Simplement. Voilà. Donc, c'est pas compliqué, hein. Vous, au lieu de faire le tour là, de tous les vaisseaux que vous croisez, allez directement au panel et vous pourrez acheter vos vaisseaux. Donc... maintenant, on va aller voir un truc important, la location. Donc, attendez, regardez, là aussi, vous avez de quoi payer vos amendes. Donc, la location de véhicule. Donc, elle se trouve ici. D'accord. Donc, c'est ici que vous pouvez, et à leur ville, vous pouvez louer donc tous ces petits vaisseaux. Donc, il n'y a pas non plus 50 000 vaisseaux. Mais voilà, vous pouvez faire de la location de vaisseaux au Vantage. D'accord, Vantage Rental, c'est ici. Voilà. Donc, après, maintenant, pour le dernier endroit, vous avez ces panneaux de contrôle. Voilà. J'arrive pas, c'est une tourelle, ça. Je suis pas fou. C'est une tourelle encastrée dans le mur. D'accord, super. Donc du coup, ici, vous avez pour récupérer tous vos vaisseaux. Donc exemple tout con, on va prendre un vaisseau qui est déjà sorti, le F7. Hop, Hangar 6. Donc une fois que vous les prendre, je vais pas aller les prendre avec vous, mais je vais vous montrer où il se trouve. Donc vous avez ici et ici pour aller au hangar. Donc là, hop, on va aller Hangar 6. S'il veut bien. Voilà. Donc, tac. Nous voici dans les hangars. Donc là, j'ai mis le hangar 6 et ça m'a emmené je sais pas où. Mais au pire des cas, c'est pas très grave. C'est juste pour vous montrer
où on va pour les hangars. Donc, c'est hangar 6 ou hangar 9, je sais plus. Mais voilà, à peu près, on va essayer d'aller quand même en hangar 9, on va voir. Hein. Peut-être que je me suis trompé. Mais voilà, vous avez maintenant la possibilité de découvrir leur ville. Donc, j'ai pas été vous montrer tous les petits endroits un peu parfelus qu'il y a à droite, à gauche. Donc, bah là, carrément, il y a un mec en vulture ici. Hop, décollage en prime. J'ai voulu monter dedans pour voler, mais bon. Faire de la piraterie dans une vidéo de présentation. Mais écoutez les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre petit like, à mettre un petit commentaire si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez que je vous aide dans certains domaines. Je suis preneur, je ferai une vidéo pour vous aider. Mon but c'est que vous en sortez sur le jeu. Je sais très bien que c'est difficile au début, que c'est assez brouillon. Donc n'hésitez pas. Pour la même occasion, la DGT mon code toujours. Voilà, si vous êtes nouveau, si vous avez du mal à jouer tout seul, si vous êtes avec des potes, mais que vous voulez rejoindre une corpo, bah venez. Voilà, la DG Team sera là pour vous récupérer au vol et passer une bonne aventure avec nous. Notre but, forcément, c'est de passer des bons moments et de kiffer sur ce beau jeu qui est Star Citizen. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.